Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. J'espère que tu es prêt à être motivé. It's your boy and God. Aujourd'hui, on parle de la cinquième clé pour atteindre ton plein potentiel. Et cette clé s'appelle l'éducation. L'éducation, tu dois t'éduquer. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, il faut que tu t'éduques. Tous les jours, tu dois apprendre. C'est important. Tous les jours, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours. Parce que si tu n'apprends pas quelque chose, celui qui arrête d'apprendre commence à mourir. Je répète encore, celui qui arrête d'apprendre commence à mourir. Tous les jours, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Tu sais comment je sais que ta vie tourne en rond? Ouais, tu sais comment je sais que ta vie tourne en rond présentement? Réponds à cette question. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Si tu n'es pas capable de me répondre, ça veut seulement dire que tu es en train de tourner en rond. Tu es dans le statu quo. Tous les jours, tu dois apprendre quelque chose de nouveau. Tous les jours, en fait, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas une option. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu dois apprendre tous les jours. Tu dois t'éduquer tous les jours. En fait, plus tu apprends, plus tu deviens libre. Plus tu apprends, plus tes pensées s'ouvrent. Je répète, plus tu t'éduques, plus tu deviens libre. Tu ne penses pas comme les autres. C'est très important. L'éducation ne s'arrête pas quand tu as fini l'école. Je crois qu'il faut que je le dise. Certaines personnes pensent qu'ils ont fini d'être éduqués quand ils ont eu leur diplôme, leur fameux diplôme, hein, ton joli diplôme que tu as collé au mur. En fait, non, ton éducation ne s'arrête pas là. L'éducation dure toute la vie parce que si tu veux atteindre ton plein potentiel, tu ne dois jamais arrêter d'apprendre. Jamais. Et un bon moyen d'être éduqué, c'est de lire. Lis 10 pages de quelque chose de positif tous les jours. Lis 10 pages de quelque chose de positif tous les jours. Tu vois que ça va t'ouvrir l'esprit. Tu vas gagner le combat mental, ça va t'ouvrir l'esprit. Apprends à lire, c'est important. Moi, je n'aimais pas lire. Moi, je n'aimais vraiment pas lire. Il a fallu que j'apprenne à lire. D'ailleurs, quand on me donnait un livre, je lisais la première page et la dernière page. Et j'avais fini avec le livre. Mais il faut que tu commences à lire. Il faut que tu commences à écouter les audios. Même si tu n'aimes pas ça, fais-le quand même parce que ton toi du futur en a besoin. Vous savez, les gens passent, les gens qui réussissent, les gens qui atteignent leur plein potentiel, passent le temps à faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Oui, oui. Les gens qui atteignent leur plein potentiel, regardez autour de vous. Regardez un peu dans les médias. Ils passent le temps à faire des choses que les autres ne veulent pas faire. Les athlètes, par exemple, qu'on aime regarder à la télévision, ils passent le temps à aller au gym à 4 heures du matin. Qui aime aller au gym à 4 heures du matin? Personne. Mais ils le font quand même parce qu'il faut qu'ils s'éduquent. Regardez tous les professionnels, tous les stars qu'on regarde, ils n'arrêtent jamais de s'éduquer, jamais, jamais. Après une prestation, ils étudient la prestation. Comment je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux apprendre de plus? Le problème avec toi, c'est que tu arrêtes d'apprendre. Tu penses que tu sais tout. Alors, retiens ceci, celui qui arrête d'apprendre commence à mourir. Si, dès que tu arrêtes d'apprendre, tu commences à mourir. Et qui n'avance pas, recule. Si tu n'avances pas dans l'éducation, certainement tu recules parce que le monde, lui, continue d'avancer. Alors, c'est important pour toi de continuer ton éducation. Continue à t'éduquer. Et l'éducation. Lis des livres. 10 pages de quelque chose de positif tous les jours. Continue à éduque-toi. Éduque-toi tous les jours. Écoute des audios, des vidéos sur oh, tu n'as même pas d'excuse de ne pas t'éduquer. Tu as tout le nécessaire pour ton éducation, ton développement personnel. Alors n'arrête pas ton éducation. Ça, c'est très, 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 très important. Si tu veux atteindre ton plein potentiel, n'arrête pas ton éducation. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vais te donner la 6e clé pour atteindre ton plein potentiel. C'était Angel King, ton motivateur personnel.